Il y a longtemps, j'ai travaillé dans une pizzeria en tant que gardienne de nuit. Le boulot payait pas si bien, mais à cette époque, je n'avais pas vraiment le choix. C'était pas compliqué, j'avais juste à rester là à attendre que les heures passent, le cul vissé sur une chaise. Simple comme bonjour. Rien à signaler, le restaurant est calme. Très calme. Presque trop calme. Qu'est-ce que c'est que ce... Je les vois. Tout le temps. Même la nuit. Que voyez-vous exactement? Il fallait que ça s'arrête. N'aie pas peur, Karal! Benji? Tu en as affronté des plus coriaces. Tu peux y arriver. Mais il y en a des nouveaux. Ils sont encore pires que les précédents. Je veillerai sur toi. Fais-moi confiance. Oh, puis merde. Aujourd'hui, on se retrouve sur Five Nights at Freddy's Sister Location. Vous l'attendiez? Moi aussi. Très honnêtement, je ne sais absolument pas comment ça va se goupiller, si je vais faire un montage dynamique, si je vais laisser le let's play tel quel complet, on va voir. Quoi qu'il en soit, ça va être immersif. Préparons-nous à plonger dans le monde de Five Nights at Freddy's. New game. Welcome to the first day of your exciting new career. I will be your personal guide to help you get started. Please enter your name as seen above the keypad. This cannot be changed later, so please be careful. Il faut que je mette mon nom sur sa machine. Il s'appelle Mike. Salut Mike! Il a l'air très avenant ce petit Mike avec ses yeux rieurs. Mais comment... Je peux pas mettre mon nom! Oui, non, c'est pas... Qu'est-ce que j'ai mis? Non! Mais... c'est écrit n'importe quoi! Tout est déjà déglingué, ça va être super, ça va être super. See what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Ah merci, c'est sympathique. Welcome, ex-Benedict. Quoi? Mais je m'appelle pas ex-Bénédict. Ça veut dire que je vais me faire manger. Oh, attends, il n'y a plus de lumière. Non, rallumez, rallumez. Ah, oh, ne me faites pas peur comme ça tout de suite. Éteignez ça, s'il vous plaît. You can now open the elevator using that bright red and obvious button. Non, je veux pas aller travailler. J'ai pas envie. Je pose mes RTT. Attendez, je sors de l'ascenseur, je me retrouve dans le système de ventilation. What the fuck? Ah ouais, c'est carrément ça! D'accord, donc en fait, mon métier, si j'ai bien compris, c'est de prendre soin des animatronics et vérifier qu'ils sont fonctionnels pour le lendemain. Waouh! Ouais! Ça va être une chouette carrière! J'ai hâte de commencer! Oh, vous avez vu ce truc-là? Vous avez vu ce truc-là? Ah, ça cligne des yeux, j'aime pas. Your left. Il faut que j'appuie sur la lumière pour savoir si Laura... Laura? Est sur scène. C'est qui, Laura? Je crois que c'est Laura. Je suis pas sûre, j'ai pas bien compris. Uh-oh. It looks like Ballora. Je suis en train de me dire que Laura devrait être en train de danser sur scène, mais elle est pas là. Donc il faut que je lui donne une petite décharge électrique. Oh, mais ça tourne en torture, tout ça. Elle va pas être contente, Laura. J'allume la lumière. Ah, oui. Ah, excellent, excellent. Ballora is free. Let's see what Funtime Foxy is up to. Foxy, es-tu là? Il est pas là. Il est pas là. C'est bon, on peut s'en aller. Looks like fun. Let's motivate Funtime Foxy with a control shot. Je veux pas électrocuter Foxy. Je sens que je vais le regretter. Foxy, pardonne-moi. Let's try another control shock. Quoi? Mais ça va pas? Ah, il est là. Oh là, et allez hop, dans le système de ventilation. C'est tout calme. Motion trigger, circus gallery band. J'ai peur.
Mais y a rien dedans. Ne t'affole pas, madame, ça va, y a rien dans le système, c'est que moi. On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium. Un bébé? C'est pour de rire! Un bébé? Animatronique? Oh, c'est un cauchemar! Bébé, est-ce que tu es là? Il est pas là! Let's encourage Baby to cheer up with a controlled shock. Oh, mais c'est sûr! On va l'encourager à venir avec un petit choc électrique! Ça y est, bébé, tu peux sortir maintenant! Let's try another controlled shock. Quoi? Mais c'est un tortionnaire d'enfant, lui! Attaque éclair! Let's try another controlled shock. Waouh! Il va décéder si tu continues, tu le sais, ça! Ah, il y a quelque chose qui a changé là, c'était plus puissant et ce monsieur me rappelle qu'il faut que je me brosse les dents 3 fois par jour. Baby, where Great are job, you? Great job, Circus Baby. We knew we could count on you and we'll see you again tomorrow. Comment ça, shift complete? Oh, on a fini la première nuit! C'était trop facile! Les vampires de l'amour. Chérie, je te l'ai dit, ce bébé ne peut pas être le mien! Mais il dort au plafond! Peu importe, ce n'est pas le mien! Du coup, mais ça n'a pas de sens! On peut manger des pop-corn. Oh. Il les mange ou il jongle avec ces pop-corn? Ça se passe comment? À qui appartient ce bébé? Ce que nous saurons dans le prochain épisode de demain! Super! Sauf que je suis pas sûre que demain... Daddy, you let the other children go see her. Why won't you let me go? Non, je serai plus en vie demain. Please select a new companion voice. Très sincèrement, je préférerais avoir du texte. Ça serait beaucoup plus facile à traduire. Ah non, ça marche pas. Oh, mais c'est la même merde que tout à l'heure. Mike, il est tout cassé. Je vais kiffer de travailler dans cet endroit. C'est exactement ce à quoi je m'attendais quand j'ai postulé. C'était même écrit sur la petite annonce. So, funny story. A dead body was found in this vent once. Ça, c'est très rassurant ce que tu me racontes là. Premièrement, soyons honnêtes, un boulot où on te fait rentrer par le système de ventilation, c'est bizarre. Donc on va faire ce qu'on m'a appris, on va vérifier si la danseuse est là. Un petit coup de jus chez la demoiselle. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais aide-moi! T'arrêtes pas de me parler depuis tout à l'heure et pourquoi tu te tais maintenant? Pourquoi tu me dis plus rien? Aide-moi! Great! There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Ah, j'ai entendu, ouais. On va régler ça. On est des techniciens ou on n'est pas des techniciens? On est les meilleurs parmi les meilleurs, chef! Baby? Toujours pas là? Je te vois toujours pas. C'est inquiétant. C'est un petit peu comme l'histoire du tyrannosaure dans Jurassic Park. On essaie d'attirer, mais il est pas là! Pourtant, il est si dangereux. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Non, il est fou lui, hein. Oh, oh, dépêche-toi, mec, dépêche-toi. C'est insoutenable. I don't recognize you. You are new. C'est quoi ça? I remember this scenario, however. Qui parle? It's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Maybe curiosity, maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place. Just try not to make eye contact. They will lose interest. Non, je te connais pas. Pourquoi je t'obéirais? Sûrement parce que j'ai pas le choix. Bah, advienne que pourra. Under the desk. D'accord, on est sous le bureau. On passe carrément sous le bureau maintenant pour avoir une promotion. C'est de mieux en mieux, de mieux en mieux. Cliquez ici et retirez. C'est quoi, une sorte de porte? C'est une porte, les amis! Rien ni personne ne peut passer sous le bureau pour pouvoir me chatouiller les pieds. Qui est là? Y a pas de bruit. Y a du bruit. Y a quelqu'un derrière la. C'est Bob le bricoleur. Qu'est-ce que tu fais, Bobby? Est-ce qu'on peut voir à travers les petites cavités là? Qu'est-ce que c'est? Oh non, quelqu'un ouvre! Non, 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 non. Mais ça a une force surhumaine ce truc! Laissez-moi, c'est chez moi ici! Vous n'êtes pas conviés! Oh putain!
derrière la paroi. Non, mais c'est pas une petite fille. Mais putain, mais elle a bouffé du lion. Ah, j'arrive pas à retenir cette partant. Laisse-moi partir. Mais c'est quoi ces enfants bodybuildés? Oh non, mais je repars de là. Mais vous voulez ma mort? T'inquiète pas ma grande, cette fois-ci j'ai apporté des clous, un marteau et un fer à souder. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'était pas une petite fille, on aurait dit plutôt un bébé qui avait subi de nombreux, très nombreux chocs électriques. Je comprends qu'il soit un peu vénère. Le bébé il est derrière. Ah, il est là, mais oh. Ok, tu l'auras voulu. Non, je te laisserai pas faire. Cette fois-ci, je te laisserai pas faire. Crois-moi. Ça suffit. Non. Non. Oh, pitié. Pitié, ayez pitié d'une pauvre âme comme moi. Ferme la porte. When your guide comes back online that you must restart the system manually, he will then tell you to crawl through Ballora Gallery. If you follow his instructions, you will die. When you crawl through Ballora Gallery, go slowly. She cannot see you and can only listen for your movement. When you hear her music become louder, she is growing near. Wait and be still. Merci pour tes conseils. Thank you for your patience. Non, voilà lui. Eh bah de rien. T'as mis tellement de temps, mec, j'ai failli mourir 3 fois. Le gars, il me retrouve en position fœtus sous le bureau. Ça va, ça l'étonne pas. Je m'en fous. Je reviendrai plus. You will now be required to crawl through the Ballora Gallery. What? C'est creepy. Ah oui, oh, c'est chouette. On va dans la salle de la danseuse. Ah, je vais suivre les conseils de la jeune madame, je crois. La musique est trop forte, la musique... Tu m'avais dit que ça irait. Ça va pas du tout. On va essayer de s'arrêter lorsque la musique devient trop forte. Du style maintenant. Je suis pas tout à fait sûre de mon coup, là. Hein. Je vous le dis. Ah si, c'est ok, c'est bon. Elle s'est éloignée. Non, mais c'est super dangereux de faire subir ça aux employés. Vous allez avoir tous les syndicats sur le dos, c'est moi qui vous le dis, hein. Laura, ne me touche pas. Je suis un homme viril qui aime les hommes. Là-bas, il y a une autre tache de lumière. Il fait combien de kilomètres le restaurant, là? It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. J'ai eu peur. Il m'a distraite, espèce de connard. C'est à cause de toi si je suis décédée. Ça va bien se passer. Je suis dans un petit champ de fleurs et toutes les fleurs dansent autour de moi. On s'arrête ici. Ça va bien se passer. Je suis dans un petit champ de fleurs et toutes les fleurs dansent autour de moi. Il y a des marguerites et aussi des capucines, sans oublier les roses et les petites tulipes. C'est bon, c'est cool. Tout va bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, elle ne nous attaquera pas. Parce qu'on est des hommes musclés. Il fallait nariment et première chose qui m'est venue à l'esprit. It seems you are taking a long time. Je peux pas aller vite et être silencieuse, d'accord? Dégage, Laura! Ah, non, trop près. Elle est de ce côté, hein. Ah bah non, elle est là maintenant. Elle est loin, c'est bon. Cours! Bah, elle est trop loin, la porte, qu'est-ce qui se passe? Oh. C'est un effet d'optique, c'est ça? On croit que la porte, elle est toute proche, mais c'est pas le cas du tout. Aïe. Oh, c'est bon. Ça y est, on est sauvés. Non, on n'est pas sauvés, c'est ça. Press space to play mascot response audio. Super accent anglais au passage, merci. Calm down and go back to sleep. No one is here. C'est ça le...
D'accord. Ce que vous venez d'entendre, c'est la réponse audio qu'on vient d'envoyer. Alors là, je réponds plus de rien. Mais vous avez vu ce bordel? Qu'est-ce que je dois faire, moi, ici? Attends, il y a un animatronique juste à droite. Faut pas sauter de ma gueule, là. Hein. Il est où? Il est là. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Je vais devoir recharger tous les circuits. Qu'est-ce que c'est long? C'est archaïque, leur système. Mais ça cause de partout! Où est passé? Il était là! Il était juste en face de moi. Oh, un mini-jeu! Ah, ça j'aime bien! Des petits jeux comme ça, c'est rigolo! Ça va égayer ma journée! Qui est déjà bien, bien pourrie! Ouais! Cupcake! Super! Oh, des petits enfants! Qu'ils sont mignons! Est-ce qu'on peut seulement les manger? Vas-y, mange-le! Ah non! Ouais. Je sens la grosse vanne arriver. Parce que là, c'est trop beau et c'est mignon. Qu'est-ce que je disais? J'ai bien trop d'expérience maintenant. Ah, il est sérieux, il faut que je recommence tout depuis le début. Mais tu es cinglé, monsieur! Bah écoutez, ce passage-là, je vais vous le cut. On se retrouve après. Et voilà, on est de retour dans la fameuse pièce où on doit relancer les générateurs. Je kiffe ce genre de phase de jeu. Tu vas voir, c'est super. On va en faire deux. Ok, on va pas en faire deux. Oh non, il est plus là déjà. Oh non, me dites pas qu'il est absent. Il est juste à côté, il se déplace, il est là, il est tranquille. Il se prend pour le roi du monde, ça y est. Je l'entends bouger. Oh putain. Ça y est, il a disparu. Non, il est là à nouveau. Il s'approche. C'est bon, ça va bien, ça va. Il est revenu à sa place. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Soyons francs, un instant. Non, mais là, parce qu'à tous les coups, je retourne sur ma tablette. Il m'attaque par derrière en mode sneaky. On est à plus de la moitié là, les gars, ça se passe bien. Everything is okay! C'est long, plus ça vient, plus c'est long! Oui! Plus qu'un! Great job! C'est bon! This completes your tasks. Je m'applaudis! On a fini la nuit, motherfucker! Ah, je suis en vie! Clara, le bébé n'est pas le mien! Mais il l'est, Vlad! Il y a eu des soucis à la crèche aujourd'hui! Ils ont dû le frapper dans les airs avec un balai! Je dois y aller! Ils vont encaisser ton chèque! Ils ne peuvent pas faire ça! Je suis un vampire! Je ne donne pas de chèque! Ne me mens pas! Ouais, c'est palpitant! C'est vraiment ma série préférée! J'espère être encore là demain pour pouvoir voir le prochain épisode! Hey! On s'arrête là pour cette vidéo! Si vous l'avez appréciée, surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, et en attendant à toutes et à tous, je vous fais de gros... Bisous.